Bonjour à tous, vous allez bien mes amis? Alors le message aujourd'hui c'est pour le sentimental, pour le signe de l'air. Alors les jumeaux, les signes de jumeaux, les signes de balance et les signes de verseau. Je mets là le signe de verseau. Fais la place. On commence avec le signe du jumeau. Le signe du verso. On commence avec le signe du verso. Alors, mes amis, ça c'est un tirage général sentimental pour le mois de mars. Alors, les jumeaux, vous vous sentez bloqué, une situation que vous sentez bloqué, ou soit vous êtes peut-être beaucoup l'expérience, les jumeaux, vous êtes quelqu'un qui vous sentez la peine avancée, peut-être il y a quelque chose qui bloque chez vous, voyez cette. C'est quelqu'un qui est bloqué ici, ou soit si vous êtes pensé dans votre esprit qui vous êtes bloqué, les jumeaux, vous pensez à l'homme ou vous pensez à quelqu'un, que vous pensez à une situation qui vous êtes beaucoup l'expérience, ou c'est quelque chose, un attachement avec quelqu'un, soit professionnel ou soit sentimental. Et que vous êtes battre beaucoup pour une situation. Et que vous sentez peut-être dans votre esprit bloqué. Et la reine de épée, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment communiquer. Quelqu'un qui l'a un petit peu bloqué psychiquement, soit vous n'êtes pas bien psychiquement à une situation ou à une séparation avec quelqu'un. Un homme ou soit une femme, c'est quelqu'un qui doit sortir d'une situation qu'elle sent bloquée, qu'elle sent beaucoup distante ou quelqu'un qui l'a éloigné de vous. Soit vous êtes beaucoup les souvenirs du passé, vous êtes beaucoup attaché à le passé qui doit libérer les jumeaux. Alors on va avec les cartes. Les autres quatre cartes qu'elle donne pour les célibataires et pour les jeux séparés. Alors, pour les célibataires, comme j'ai dit, il y a quelque chose qu'elle bloque dans le passé. Besoin libérer, débloquer une situation que vous êtes des célébrants, mais vous êtes quelqu'un beaucoup de courage et vous montez un obstacle, les célibataires. Même vous tombez, vous montez un obstacle, c'est à cause d'un peut-être un homme plus jeune, ou soit quelque chose que vous trouvez à besoin de stabilité sentimentale, ou soit matériel pour avancer. Il y a un souvenir du passé, les célibataires qui vous bloquent, qui besoin de libérer pour avancer vers une situation, ou soit une communication avec quelqu'un qui vous êtes bloqué, ou soit c'est quelque chose dans votre lieu de travail qui vous êtes beaucoup le courage, beaucoup battre pour le travail, ou soit une relation sentimentale. Les gens qui sont séparés, qu'ils sont un petit peu seuls, ou qui sont trahis à une situation, ou qui vous sentez, il y en a une réussite, et peut-être il y a une perte de quelqu'un qui est jalouse de vous, ou soit quelqu'un qui a pris quelque chose à vous dans votre relation sentimentale. Vous sentez peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose, ou soit vous sentez le manque, ou soit vous êtes réussite dans votre vie et il y a un changement pour vous. Vous changez quelque chose dans votre vie. Les gens qui sont séparés, peut-être ils sont trahis de plusieurs personnes qui c'était votre entourage et qui sont prendre quelque chose à vous, ou soit si vous êtes réussite dans votre vie et c'est des gens qui sont
qui sont montés par le vrai visage, et vous êtes qu'offrir ces gens qui sont cachés quelque chose, ou soit qui sont piqués quelque chose à vous. Soit c'est une relation sentimentale, ou soit quelqu'un qui était un bon ami et quelqu'un qui a pris quelque chose à vous, qui a profité de vous, qui vous a trouvé cette personne. Il était avec vous à cause de quelque chose, il n'était pas vrai l'amour pour vous. Et vous, vous êtes quelqu'un triste maintenant pour un changement dans votre vie, vous changez quelque chose, le changement positif, et un changement de nouvelle vie pour vous, pour quitter une personne qui était malhonnête, ou soit plusieurs personnes qui étaient votre entourage, qui c'était pas bien, et vous quittez une situation malsaine et que vous êtes beaucoup de tristesse et beaucoup de jalousie les gens contre vous. Alors le premier, le célibataire, c'est la lettre K qui, comme Karine, les lettres X, je sais pas si quelqu'un a une X ou cette lettre, peut-être c'est un X. Ça va parler pour les gens qui sont séparés. Peut-être il y a un ex qui a volé quelque chose à vous, soit il a trahi. Et la lettre Z, c'est quelqu'un dans la relation familiale, la relation de couple. Et il y a une réunion familiale, besoin de communiquer, besoin vraiment éclairer les choses, besoin peut-être... peut-être un contact avec la famille, peut-être il y a une réunion familiale ou quelqu'un qui a besoin de communiquer dans le couple, ou besoin d'éclairer quelque chose, ou soit vous êtes prête peut-être à inviter les familles, peut-être il y a une fête chez vous, les jumeaux, quelqu'un qui l'a réunit avec la famille, avec peut-être les gens proches de vous. Et peut-être vous êtes quelqu'un beaucoup bien-être dans votre relation de couple et besoin peut-être fêter quelque chose avec la famille ou soit une réunion familiale. Alors les jumeaux, les célibataires, vous cherchez une solution pour débloquer une situation de passé, soit une ancienne relation avec quelqu'un ou soit une situation que vous êtes bloquée. Et que vous trouvez une solution, vous cherchez beaucoup le top pour sortir cette relation. Et pour vous être très courageux et quelqu'un qui trouve des solutions, vous sortez à une fermeture, peut-être vous êtes fermé vous-même et vous êtes fermé votre cœur, besoin d'offrir votre cœur à un nouvel amour à les célibataires. À cause du passé, vous êtes resté bloqué. Voyez, c'est quelqu'un qui l'a bloqué dans le passé, une expérience, et vous êtes attaché à cette expérience, vous n'arrivez pas, votre esprit, à libérer le passé. Alors, le message pour les gens qui sont célibataires, divorcés ou séparés, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de gens, comme je vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous, il y a les gens qui parlent beaucoup de paroles, beaucoup de gens qui parlent de votre don, c'est pas seulement une personne, vous sentez trahi dans votre entourage, vous sentez trahi, vous sentez quelqu'un qui a pris quelque chose, il y a beaucoup de gens qui parlent, soit dans votre entourage, soit quelqu'un proche de vous, la famille, et si quelqu'un à cause de ça, et vous êtes plus confiance, vous êtes perdu quelque chose, ou soit quelqu'un il a pris quelque chose, et que vous êtes perdu la confiance à ces gens, il y en a plusieurs personnes, peut-être quelqu'un de proche, des amis, et peut-être les familles aussi, et c'est quelque chose, les gens qui sont malhonnêtes, qui parlent derrière votre don, et c'est vous, les féminins, qu'ils vous, peut-être, ou soit les féminins, qui sont beaucoup de critiques, ou soit si vous êtes un homme, c'est les féminins qui parlent beaucoup, ou soit si vous êtes avec un amant, ou soit c'est quelqu'un qui parle beaucoup, soit quelqu'un qui critique beaucoup, et c'est pour moi, c'est quelqu'un qui a pris quelque chose, ou il a volé quelque chose, et que vous sentez peut-être
les gens parlent, peut-être si c'est dans le couple, il n'y a pas de fidélité, peut-être il y a beaucoup de gens qui parlent de votre couple, il y a aussi quelque chose qui vous est séparé à cause d'une tierce personne ou à cause d'une plusieurs personnes, cette séparation. Pour les couples, il y a le soleil, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de chance pour votre famille, votre couple, il y a une réunion familiale, il y a un bien-être, vous sentez bien, il y a une fête ou quelque chose, peut-être à bientôt l'été, il y a une réunion familiale, comme le soleil, pour moi, c'est peut-être avril, mai, quelque chose que ça va avancer pour vous, cette terrasse, ça va parler en mars, mais pour moi, c'est quelque chose que vous planifiez une fête ou une réunion familiale, peut-être l'été ou soit avril, mai, comme commence l'été chaud au soleil, et commence la journée longue, peut-être il y a une réunion, une fête familiale pour les couples. Alors pour les célibataires, là, il y a quelque chose que vous faites un deuil, que vous avez besoin de libérer le passé, le blocage. Je vois plusieurs les personnes célibataires qui sont en expérience douloureuse et qui ont besoin vraiment guérir et qu'elles tendent un message ou une nouvelle, quelqu'un ou quelqu'un qui a besoin vraiment avancer dans sa vie et offrir votre cœur. Peut-être il y a un nouvel contact ou une nouvelle personne doit faire le deuil du passé et libérer l'attachement du passé. Bon, les célibataires, les gens qui sont séparés, qui sont trahis, peut-être dans le couple, il y a un ami qui n'était pas fidèle, ou soit votre compagne, elle n'était pas fidèle, ou quelqu'un qui l'a volé quelque chose, ou l'a pris quelque chose à vous, soit l'argent, soit quelque chose qui vous sentez trahi dans le couple. Et cette séparation, il y a plusieurs personnes qui parlent, ou c'est les gens qui critiquent beaucoup. Vous êtes marre, vous êtes triste à cause de cette situation, vous avez besoin aussi de libérer les blocages, les passés, libérez-vous. Vous êtes peut-être pas bien psychiquement à cause de ce qui a passé dans votre vie. Dans le couple, il y a beaucoup de votre couple, il y a beaucoup de fidélité, vous êtes bien ensemble, il y a beaucoup de les gens qui tendent peut-être un bébé, peut-être l'été, il y a quelque chose, une fête, ou soit un baptême, ou soit vous êtes envie de faire une grandir la famille, peut-être vous êtes l'été, il y a quelque chose, ça va arriver pour vous tomber enceinte, ou soit un bébé qui arrive dans la famille, il y a un baptême ou une fête familiale, l'été, quelque chose, ça va fêter l'été pour vous. J'ai donc le conseil de réponse angélique pour les célibataires, Alors, les célibataires, un conseil pour vous maintenant. Alors, les célibataires, choisissez une nouvelle direction pour vous, il y a une nouvelle relation pour vous. Vous quittez une relation douloureuse ou un deuil ou un problème vraiment avec une personne et que vous êtes senti malade ou senti fatigué, besoin de faire le deuil et sortir de cette situation. Pour vous, il y a une nouvelle relation, un nouvel départ. Vous rencontrez quelqu'un nouveau. Il y a choisi une nouvelle direction pour vous. Le couple, un message de les gens qui sont séparés. Pour le, attendez-vous. Attendez-vous les relations. Que les gens qui sont séparés ne sont pas prêts à rencontrer quelqu'un maintenant. Qui a besoin de trancher une situation, trancher avec les gens. Votre entourage, ou soit les amis, ou soit les familles, ou soit quelqu'un qui l'a fait mal, vous avez besoin de communiquer, trancher avec cette personne, quelqu'un qui n'était pas fidèle, quelqu'un qui a pris quelque chose à vous, et vous sentez trahi dans cette relation, ou soit c'est quelqu'un qui a toujours l'amant, ou soit la maîtresse, soit une femme, ou soit un homme. C'est quelqu'un qui, les gens qui parlent de vous, peut-être il y a une trahison dans le couple, et c'est un divorce ou une séparation, attendez-vous, besoin de trancher parce que vous êtes dans le deuil, besoin vraiment libérer et
cette relation, il besoin aussi le temps. Et je vois quelqu'un qui quitte une personne, qu'elle pose cette relation partir, une personne peut partir, soit une femme ou un homme, il y a une relation qu'elle termine. Pour moi, attendez-vous, pas prendre tout de suite les décisions. Mois de mars, c'est encore besoin le temps, libérer les tristesses, travailler sur vous pour pas rester bloqué dans le passé. Et les décisions que vous êtes prêts, c'est une bonne décision parce que vous êtes battre beaucoup contre cette situation. Les relations de couple pour le mois de mars. Il y a un compromis, un équilibre dans la relation de couple et la relation familiale. Si vous êtes dans le couple, on veut agrandir famille ou soit faire une réunion familiale ou soit un baptême, soit une fête. Il y a un compromis, il y a un équilibre dans la relation. Il y a un enfant, soit un nouvel départ dans votre relation. Il y a aussi quelque chose, quelqu'un fidèle dans le couple. Il y a un besoin d'équilibre dans la relation avec la famille et le couple. Voilà les jumeaux, c'est fini votre tirage. On passe les balances. Alors les balances, pour les signes de balance. Les signes de balance. Le roi de terre, vous êtes quelqu'un beaucoup généreuse, peut-être quelqu'un qui a une situation, peut-être bien dans le professionnel, il y a une réussite pour vous. Vous êtes beaucoup de confiance, soit vous êtes associé avec quelqu'un qui vous l'aimez beaucoup, soit c'est quelqu'un de votre famille, ou soit dans le couple, vous êtes une association, un projet. Vous êtes une personne généreuse générale, vous êtes quelqu'un. Beaucoup de responsabilité dans votre travail ou dans votre famille ou dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous êtes quelqu'un beaucoup généreux dans votre travail et peut-être vous donnez beaucoup dans votre travail, vous aidez beaucoup les gens, soit vous êtes responsabilité dans votre travail, soit si vous êtes quelqu'un qui vous rencontrez un homme ou une femme qui a une bonne situation, et quelqu'un stable, quelqu'un gentil, généreux, et quelqu'un qui partage beaucoup, et quelqu'un pouvait confiance à cette personne, et que quelqu'un a un bon cœur. Si vous êtes séparés, peut-être vous êtes pensé à une personne qui est peut-être très généreuse, ou quelqu'un gentil. Alors, on verra avec les cartes. Alors, les célibataires, il y a une nouvelle licence pour vous. Nouvelle licence, vous sortir d'une situation qui peut être mal compris, une situation. Vous sortir d'une solitude, vous sortir d'une les choses cachées ou les colères ou une situation. Pour moi, il y a une nouvelle relation pour vous, il y a une nouvelle. Équilibrer les choses parce que vous êtes mal tombé à une situation, ou soit quelqu'un qui cherche donner une nouvelle, quelqu'un qui cherche des solutions, ou soit quelqu'un qu'elle trouve à une personne qui est beaucoup trop, si vous êtes avec quelqu'un trop, qui travaille beaucoup, qui n'a pas trop beaucoup pour vous, ou soit c'est vous-même qui vous êtes les célibataires qui travaillez beaucoup. Vous n'êtes pas compris à la relation sentimentale et professionnelle. Ou soit, si vous êtes avec quelqu'un qui l'a mal compris et les choses qui étaient cachées pour vous, ça fait beaucoup de colère et besoin vraiment chercher votre lumière et chercher la vérité. Pour moi, c'est un mal tombé à cette relation. Il y a quelque chose, ça va régler, il y a une nouvelle essence. Et vous faites un nouvel départ peut-être avec cette personne, ou soit cette personne qu'elle travaille beaucoup, qu'elle n'a pas beaucoup de temps, soit c'est vous qui travaillez beaucoup. Il y a un changement, il y a une nouvelle essence, il y a une nouvelle libération, et pour donner une nouvelle peut-être. Les gens qui sont séparés, voilà, c'est sorti générosité, c'est les mêmes cartes. Hein. C'est quelqu'un qui était généreuse, quelqu'un qui était beaucoup confiance les autres. Et c'est quelqu'un qui venir, c'est une personne qui vient, il vient demander l'aide. Vous dites jamais non. Vous êtes toujours là pour les autres.
Vous êtes compris, il y a quelqu'un qui a profité de vous. Après, comme vous êtes votre gentillesse, les gens sont beaucoup profité de vous, ou soit dans une relation qui vous êtes les gens qui sont profité de vous, soit un homme, soit une femme. Votre générosité, vous êtes toujours donné peut-être l'argent, soit donné tout ce qu'elles veulent. Jamais des non, vous êtes toujours là, et soit beaucoup de gens dans votre entourage, vous êtes toujours là pour ces gens, vous êtes généreuse, vous êtes un bon cœur, vous êtes beaucoup de confiance, et les gens qui sont profités de vous ou trahis, soit à une personne qui vous trahit, ou soit à une personne qui a profité beaucoup de vous, votre générosité. Alors, le message pour le couple. Il y a une nouvelle direction dans le couple, quelque chose de nouveau, peut-être il y a un nouvel changement dans le couple, il y a une nouvelle, vous tendez une nouvelle à quelqu'un, ou soit quelqu'un qui a envie de changer direction, peut-être un travail, ou quelque chose dans le couple, peut-être un changement, il y a un changement positif pour les balances, les couples. Message pour les célibataires. Alors les célibataires, vous allez sortir tout ce qu'il y a caché. Peut-être c'est beaucoup de choses que vous gardez, et quelqu'un qui a peut-être caché les choses dans le passé pour vous. Vous êtes en colère contre cette personne et vous allez exprimer. C'est une relation que vous êtes peut-être avec quelqu'un longtemps, et quelqu'un que vous cherchez la stabilité, vous cherchez un nouvel départ, vous êtes besoin d'exprimer votre sentiment, vous êtes en colère contre cette personne, et quelqu'un que vous êtes connu beaucoup longtemps, beaucoup de temps, et vous cherchez la stabilité, vous êtes besoin d'exprimer, vous cachez les choses dans votre cœur, ou soit c'est votre personne qui est votre cœur, elle cache beaucoup de choses, et elle a besoin d'exprimer. Et pour votre relation, une stabilité, pour moi, il y a quelque chose, ça va stabiliser après la communication claire avec cette personne. Les gens qui sont séparés, ils sont beaucoup stressés, ils sont beaucoup perdus l'argent, il y a quelqu'un qui a volé votre argent, soit quelqu'un qui a profité beaucoup de vous pour l'argent. Vous tendez une réponse, un message, ou un document, peut-être il a volé un document, il a volé un l'argent, quelqu'un qui a vraiment profité de vous, vous êtes quelqu'un généreuse, et vous êtes tombé une signature, peut-être le document, soit un divorce ou séparation, et que vous trouvez une personne qui a beaucoup profité de vous, qui a volé même l'argent, hein. C'est quelqu'un vraiment, il a profité de votre générosité. Alors, les couples, il y a un nouvel départ, je vois, il y a une nouvelle direction, peut-être déménagement ou changement, quelque chose dans le couple, un changement positif. Vous cherchez l'équilibre, peut-être, dans votre relation, et pour changer quelque chose dans votre couple, les jumeaux. Les balances, excusez-moi, j'ai dit les jumeaux. Parfois, j'ai oublié, mais faites pas attention à ce que j'ai dit. Alors. Dans le célibataire, il y a un engagement, officiel, une relation avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un nouveau, peut-être quelqu'un qui vous connaît peut-être pas, ou soit quelqu'un qui est vraiment spirituel, ou quelqu'un, une relation spirituelle, et qui veut construire une vie avec une personne stable, une vie stable avec une personne, et un engagement officiel, un mariage officiel avec cette personne. Peut-être cette personne, dans le passé, elle a caché quelque chose, ou soit c'est quelqu'un qui a caché beaucoup de choses, et vous dévoiler les choses, il y a une stabilité. Parce que pour moi, c'est le célibataire que vous êtes resté beaucoup longtemps avec cette personne. Et pour moi, c'est un engagement avec cette personne. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. Peut-être elle demande le mariage ou la fiançaille. Ou soit un mariage religion. Peut-être vous faites un mariage religion avec cette personne. Alors, les gens qui sont séparés, qu'elles tendent à un juge ou à une,
un procès ou quelque chose. Peut-être votre partenaire qui a profité de vous, peut-être elle a pris l'argent, ou soit une difficulté avec cette personne à cause de l'argent. Et c'est quelqu'un qu'elle doit faire beaucoup de temps, qu'elle sente triste. Elle doit faire les deuils. Cette relation, pour moi, c'est fini. Il y a un divorce, il y a une séparation, les balances avec cette personne. Qu'elle a fait beaucoup de problèmes, qu'elle a profité de vous, qu'elle a piqué peut-être l'argent, qu'elle a pris beaucoup de l'argent vous à cause de la générosité. Vous êtes toujours confiance à cette personne. Peut-être qu'elle a fait quelque chose derrière votre dos et que vous sentez il y a une séparation, vous tendez un divorce ou un indiquement, le tribunal ou un juge qui doit écrire. Vous sentez vous tendez une lettre pour moi. Alors dans le couple, il y a vraiment quelque chose que vous sentez bien, bien-être, partager le temps, l'amour vrai. Peut-être vous êtes quelqu'un qu'elle change quelque chose dans les directions avec dans la relation, nouvel départ, un nouvel commencement. Peut-être il y a une difficulté dans le passé, ça va ranger le problème pour les balances dans le couple. On verra par le conseil, les réponses angéliques pour le mois de mars. Il y a un établissement dans la relation de couple, il y a une stabilité. Pour moi, j'ai vu la stabilité. Quelqu'un, vous êtes resté beaucoup longtemps. Il y a quelque chose qui doit exprimer, quelque chose qui doit guérir une souffrance de passé ou soit quelqu'un qui ne communique pas bien ou soit il a mal compris vous et c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité dans la relation. Les gens qui sont séparés ou divorcés et qui sont pour moi, peut-être la semaine prochaine, il y a une nouvelle de votre séparation ou soit votre divorce ou soit une lettre qui vous tendez à un juge ou à un avocat qu'elle voit peut-être à cause de l'argent ou à cause vous doit payer quelque chose à quelqu'un qui a profité beaucoup de vous et il a pris peut-être quelque chose. Un argent qu'ils ne veulent pas rembourser ou c'est quelque chose, vous êtes problème avec cette personne à cause de l'argent. Dans le couple, profitez avec la famille, vous êtes protégé, besoin de temps, profitez avec votre les enfants, avec la famille. Il y a une fête ou bientôt une fête ou un baptême ou quelque chose officiel. Et quelqu'un qui prie beaucoup à la Vierge Marie dans le couple, il y a quelqu'un qui croit beaucoup à la protection de Vierge Marie pour votre les enfants. Voilà, le tirage fini. Pour le balance, on passe les Verseaux. Excusez-moi. Alors, les Verseaux, votre tirage, le conseil pour les Verseaux, c'est les 5 de couple. Ouais, les 5 de couple, il y a un manque dans votre relation. Et besoin vraiment rester positif, même vous êtes perdu ces 3 couples-là, et à toujours quelqu'un à côté de vous. Si peut-être vous sentez le manque, peut-être la famille ou le manque de séparation avec quelqu'un, dans le passé, il y a quelqu'un l'autre à côté de vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un il est amoureux de vous, mais peut-être vous ne voyez pas ça, vous êtes malheureuse, peut-être vous êtes séparé avec la famille ou séparé avec un enfant ou quelque chose qui vous triste, mais vous ne voyez pas, il y a l'amour encore là, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est amoureux de vous. Malgré vous perdez les 3 couples, c'est pas la fin de monde, il y a quelque chose. L'amour, il est là, il est toujours là. Si vous sentez, vous êtes le manque, vous êtes triste, vous sentez malheureuse, peut-être à cause de la famille ou à cause de quelque chose, ou vous ne voyez pas, vous êtes heureuse, vous êtes quelqu'un, il est déjà là pour vous. Soit c'est les parents, soit si vous êtes célibataire, il y a l'amour de parents, il y a l'amour frère et soeur, il y a l'amour votre proche. Si vous êtes séparés, il y a quelqu'un l'autre, peut-être il y a quelqu'un à côté de vous, vous ne voyez pas, ou soit si vous êtes dans le couple,
que vous pensez dans le couple, il manque quelque chose. Et votre partenaire, il est toujours là, il a beaucoup d'amour pour vous, mais vous, vous ne voyez pas ça. C'est ça. Alors, les célibataires, qu'elles sont seules, pour ça, vous êtes malheureuses. Qu'elles sont seules, qu'elles sont la solitude, vous sentez les autres qui sont parlés de vous, ou soit vous sentez malheureuse, peut-être quelque chose de familial ou proche. Et que vous sentez les gens qui jugent vous, pourquoi vous êtes seul, pourquoi vous êtes resté enfermé vous-même. Vous êtes beaucoup la foi et parfois vous sentez triste pour les gens qui parlent de vous, votre amis ou soit votre entourage ou soit quelqu'un, votre famille. Qu'elles sentent le manque et besoin de changer la façon de voir la vie et rester dans la gratitude. Annoncez les gratitudes, les choses positives, voir la vie positive pour vous. Les signes de Verseau, malgré vous êtes seul, vous êtes quelqu'un beaucoup la foi et peut-être vous êtes besoin de cette solitude pour réfléchir votre vie et vous sentez jugé, vous sentez les gens qu'ils parlent, c'est pas juste que ce qu'ils parlent de vous. Et ça, c'est la lettre I, c'est peut-être quelqu'un qui commence à une lettre I, si vous êtes. Seul, si vous êtes seul, que vous sentez malheureuse ou sentez le manque, peut-être il y a votre famille qui sont là, votre parent, votre frère et soeur, ils sont l'amour pour vous, et peut-être vous ne voyez pas ça, et peut-être vous êtes malheureuse dans l'amour. Alors, les gens qui sont séparés, ils ont vraiment besoin de deuil, besoin d'accepter les séparations, besoin d'accepter les divorces et accepter. Cette situation, besoin lâcher prise, besoin avancer dans votre vie, vous êtes, excusez-moi, vous êtes beaucoup pensé à le passé et besoin vraiment sortir cette situation. Et vous tournez les pages à une situation, à un divorce ou à une séparation. Peut-être vous n'êtes pas accepté cette séparation ou ce divorce. Vous devez tourner les pages, les séparer, les jeux séparés. Alors, les gens dans le couple, il y a une alors, la relation dans le couple, il y a beaucoup de gens dans votre entourage. Attention avec les gens. Peut-être vous restez positif. Il y a beaucoup de gens, peut-être quelqu'un jalouse de votre relation. Ou soit vous êtes quelqu'un dans une communication dans le couple, besoin d'éclairer les choses et quelqu'un qui peut-être votre entourage doit éloigner un petit peu, peut-être quelqu'un qui donne mauvais conseils ou quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous ou soit les amis qui vous êtes entourés, peut-être doit éloigner. Voyez cette femme qui est distante, peut-être vous êtes toi distante un petit peu des autres, doit écouter votre relation de couple à votre partenaire. La personne qui a besoin de parler avec vous, peut-être ensemble, peut-être à deux, et besoin pas écouter les autres, qu'est-ce qu'il dit pour votre relation. C'est votre partenaire qui a besoin d'éclairer les choses et éloigner des gens qui sont mêlés pour votre relation. Peut-être tu dois éloigner aussi la famille, les familles qui font problème dans votre couple, besoin d'éloigner ou soit distante. Le couple besoin protéger votre couple. S'il y a quelqu'un qui est mêlé dans votre relation, peut-être c'est pas vous, les personnes qui donnent un mauvais conseil ou que si vous êtes écouté cette personne, peut-être c'est pas beau, doit écouter votre partenaire, qu'est-ce qu'il dit. Alors, les tristesses, les croix, ça sortait deux fois, la croix. Voyez, je monte. Là, voyez la croix. Les célibataires, vous êtes tristes, vous êtes besoin de deuil. Vous êtes tristes avec la solitude, vous n'êtes pas bien. Vous devez tomber le masque parce que vous pensez toujours les autres et ne pensez pas vous. Vous êtes triste, vous trouvez votre joie et votre bonheur à bientôt. Besoin de libérer les tristesses, besoin de libérer les jugements des autres. Si vous êtes resté seul parce que vous êtes besoin
rencontrer quelqu'un stable, peut-être vous êtes rencontrer toujours les gens qui sont pas stables, ou soit les gens qui sont et qu'elles portent les masques, ou soit les gens qui s'étaient mal saines, et pour vous doit tomber les masques parce qu'il y a cette relation qui y a beaucoup de souffrance, il y a pas le bonheur, vous sentez malheureuse par la relation de passé, ou soit si vous êtes seule qui vous sentez malheureuse, vous tombez à cette masque, il y a l'amour, il y a quelqu'un nouveau, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. Tout ce qui vous êtes perdu dans le passé, vous tournez les pages, vous tombez les masques, les célibataires. Les gens qui sont divorcés ou séparés, c'est le destin, c'est la vie, ils doivent accepter les divorces. Et c'est quelqu'un qui était malhonnête ou quelqu'un qui n'était pas confiance. Et cette séparation, c'est votre destin, doit accepter. C'est quelqu'un qui n'était pas bon pour vous et c'est quelqu'un qui était malhonnête, quelqu'un que on peut pas confiance à cette personne. Et c'est quelqu'un qui l'a vous trahi beaucoup dans le passé. Vous avez besoin vraiment faire le deuil. Alors les relations de couple, il y a quelque chose. Un ami ou les amis, peut-être les secrets familiales. Doit garder pour vous, doit pas compter tous les secrets dans votre relation de couple à quelqu'un, votre entourage, ou soit une amie proche, ou soit les familles, besoin votre problème de couple régler vous-même avec votre partenaire et parler ça. Peut-être si vous êtes problème dans le couple, l'argent, c'est pas besoin de dire à tout le monde, vous êtes difficulté dans votre couple, ou soit si vous êtes problème dans le couple, c'est les choses qui doivent vous-même qui régler, pas besoin de demander les autres. Peut-être il y a un mauvais conseil ou quelqu'un qui parle beaucoup avec les amis, il doit faire attention avec quoi que vous dites à les autres. Peut-être les gens qu'elle parle de vous, si vous êtes parlé dans votre couple, gardez pour vous. Alors, quelqu'un qui pense toujours y réfléchir, peut-être il y a quelqu'un qui était beaucoup triste, beaucoup seul, et qu'elle ne voit pas, et là, elle a quelqu'un de nouveau. Et quelqu'un qui désire rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui désire une personne, ou quelqu'un qui a beaucoup, il pense beaucoup le passé, qu'elle pense le passé avec quelqu'un, un ami ou une amoureuse qui était partie. Et il doit faire le deuil. Peut-être vous sentez culpabilité ou soit vous sentez malaise à cause de cette personne qui est partie. Il doit tomber les masques. Vous ne restez pas cette tristesse. Vous pensez toujours à cette personne. Il doit avancer dans votre vie. C'est quelqu'un nouveau, le célibataire pour vous. Dans le couple, vous êtes beaucoup souffert. Vous êtes beaucoup malheureuse dans le couple, vous êtes besoin de protéger les enfants, protéger votre famille, et vous êtes poussé les malheurs, vous ne voulez plus rester malheureuse. Et c'est quelque chose avec quelqu'un qui était officiel, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, peut-être il y a les violences dans la maison, il y a quelqu'un qui était violence, ou peut-être il y a quelque chose d'officiel, il doit vraiment divorce ou séparation. Ou soit vous protégez votre famille, les enfants, si vous êtes déjà les enfants avec quelqu'un dans le passé. C'est quelqu'un malhonnête et qui a besoin vraiment pousser les malheurs, vous avez besoin de demander la protection. Peut-être c'est quelqu'un très violent, peut-être quelqu'un qui cherche toujours à faire le problème. Essayez, protégez-vous, demandez à un avocat, demandez à quelqu'un officiel qu'il vous protège pour ce divorce. Alors les gens qui sont dans le couple, qui sont peut-être envie d'acheter une maison, ou envie de déménager, ou envie officiel, mariage officiel, si vous n'êtes pas marié officiel avec cette personne. Et peut-être c'est ça le secret, le contrat. Vous devez signer un contrat, vous ne devez pas parler beaucoup dans votre relation. Vous ne devez pas parler si vous n'êtes pas encore marié avec cette personne officielle et en signature. Ça, c'est les choses qui doivent rester secrètes.
garder pour vous, pas dire votre les amis ou soit quelqu'un proche de vous. Si quelqu'un peut-être il fait les jalousies ou soit faire attention à ce que vous dites à les amis ou la famille, peut-être il y a quelqu'un qui ne veut pas, vous êtes heureuse. Alors pour moi, je vois un déménagement, une nouvelle maison, acheter une maison ou soit déménager et peut-être vraiment une signature, un mariage officiel avec cette personne. Si vous êtes vivre ensemble dans le couple. Voilà le conseil des Verseaux pour les célibataires. Les conseils, besoin méditer, besoin votre réponse avec la méditation, elle porte votre réponse. Vous cherchez une réponse pour savoir qu'est-ce que vous voulez savoir. Votre calme, le calme esprit, vous avez besoin de méditer, besoin de repos, besoin écoutez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui change dans votre relation. Essayez voir les choses claires. Peut-être vous n'êtes pas accepté une séparation ou soit pas. Peut-être pas accepté une situation que vous cherchez la réponse. Vous pensez beaucoup à cette situation et les réponses, ça va arriver par la méditation pour le calme, l'esprit, beaucoup de tranquillité. Vous cherchez intérieur votre réponse, pourquoi vous restez seul et pourquoi vous n'êtes pas trouvé quelqu'un. Peut-être vous êtes tombé toujours les gens qui sont profités de vous, les gens qui sont malhonnêtes ou les gens qui sont, ils portent toujours les masques et besoin de changer quelque chose pour trouver le vrai amour et pour libérer le manque et libérer les choses qu'il fait malheureuses ou tristes dans votre relation amoureuse, les célibataires. Les gens qui sont séparés. Alors, les gens qui sont séparés, je ne sais pas, ça sortit, non? J'ai tiré encore une carte pour voir si non, peut-être vous demandez une question, c'est pas le bon moment, peut-être, je sais pas, non, c'est pas le bon moment, je sais pas quelle question. Est-ce que c'est le divorce, vous pensez? Est-ce que vous êtes, si vous demandez le divorce, est-ce qu'il y a une réponse tout de suite pour vous, mois de mars? Je pense que c'est pas le bon moment, mois de mars, pour vous. La réponse de peut-être un votre avocat ou soit un juge ou soit vous faites une protection à votre famille et votre les enfants, peut-être un assistante pour les enfants, c'est quelqu'un qui doit protéger les enfants, soit à cause des violences ou quoi, quelque chose dans votre couple, il y a un problème qui doit protéger vous et protéger votre les enfants, doit avoir un avocat ou une assistante, peut-être assistante pour les enfants, quelqu'un qu'elle donne les réponses, peut-être pas mois de mars, c'est pas le bon moment pour recevoir les réponses, ça va venir peut-être avril, pas le mois de mars si vous attendez une réponse. Pour le couple, les couples besoin d'établir les relations, besoin aussi d'établissement et amélioration de l'état de santé. Peut-être vous êtes, on veut marier, peut-être vous attendez un petit peu pour ce mariage, ou soit pour déménager, ou soit pour faire vraiment officiel mariage. Peut-être ce n'est pas tout de suite, mois de mars, peut-être plus tard, besoin l'établissement, la santé. Peut-être l'état de santé, peut-être il y a quelque chose que vous envie faire, un mariage officiel ou un déménagement, ou acheter une maison ou peut-être une nouvelle maison. Il y a quelque chose d'officiel, une signature. Et pour moi, c'est l'amélioration de l'état de santé. C'est quelque chose avec la santé pour moi, les couples. Voilà, c'est fini pour les Verseaux. J'ai fini le tirage. Alors, je passe à l'autre signe de loup, j'ai fait après. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt, mes amis. Au revoir. Bonne journée.